Bonjour les amis, c'est Mitrapneuma de Nintendo Alert Station of Play et on se retrouve pour continuer notre quête des Easter Eggs et surprises dans Tears of the Kingdom en rapport avec Breath of the Wild. Donc je vous avais déjà montré précédemment, alors vous vous souvenez, hein, dans Breath of the Wild, lorsqu'on se mettait en caleçon et qu'on allait voir Noya, il nous disait des trucs très très sympas, des trucs du genre à poil, tout le monde à poil, genre. Mais là, il dit rien du tout, donc je suis totalement déçue. Donc on va continuer, on va aller voir si ça marche ailleurs. On va aller à la tour du guet, on va aller voir Wistiti, voir ce qu'elle en dit, voir si elle réagit. Et beaucoup de réactions dans Breath of the Wild, c'est plutôt marrant. Donc après, si ça réagit pas dans Tears of the Kingdom, bon, c'est la vie, hein. Bon espoir. Allez. Alors, je crois que Pharas n'est plus là. Lui aussi réagissait. Pour le coup, c'est lui qui nous avait demandé d'enlever tout. Mais il est de retour à la limite. Ne dis pas que les Ligas les envolèrent, que tu enquêtais dans les profondeurs. Je suis vraiment désolée que tu doives prendre tous ces risques. De mon côté, je continue mes recherches, mais j'ai rien de très nouveau, de toutes les infos. Enfin bref, elle au moins, elle réagit. Allez. Ouais, Prue, elle était en hauteur. Hein. Et que bouger. Wistiti. Elle est là. Hop, coucou. Non, j'ai pas l'impression qu'elle dise quoi que ce soit. Ah, si. Mais dis-moi, qu'est-ce qui arrive à tes vêtements? C'est pas pour dire, mais t'as des responsabilités importantes dans cette aventure. Donc reste digne. Donc reste digne, ok. Alors, si quelqu'un, si Prue a nous demander de rester digne, on est mal. On va aller voir Pharas, si lui dit quelque chose, hein, vous vous souvenez. C'est lui qui nous demandait de nous déshabiller. Alors, il manquerait plus que ça, que lui aussi nous demande de rester digne. Et du coup, ah oui, il y a encore des réactions. Bon, c'est pas Noya, mais il y a encore des réactions dans Tears of the Kingdom. C'est marrant. C'est très marrant. Allez, on va voir ce que Pharas raconte. D'ailleurs, maintenant, il y a des poules. Ah, où est-ce qu'il est? Il ne bouge pas, hein, tu peux venir. Ah tiens, il y a encore sa... Oui, sa machine. Mmh. Bon, tout est clair, il ne me dit rien. Bon, il dit rien. Alors, il y a son encyclopédie. Bon, ça, on verra plus tard. Les Gerudo. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui devrait réagir. C'est bien la cité Gerudo. On va aller voir ce qui se passe. J'ose à peine. Je dis que ça va se passer. Déjà un Voy qui rentre, mais qu'en plus il retire ses vêtements. On va se faire éjecter vite fait de la cité. On va rien comprendre. Est interdit de retour. Je rappelle, ça reste un jeu, hein. Allez. Coucou. Il y a un Voy suspect à moitié nu. C'est sûr qu'ils allaient nous mettre dehors. What? Où est-ce qu'elles nous ont mis?
Mais c'est quoi ce temps? Ils ont mis où? Ah, ils nous ont mis en prison. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on essayait de s'infiltrer, elle nous avait dit que ce type-là, il était en prison et que il fallait faire un truc hyper grave pour se retrouver en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Attends un peu, je te reconnais, je t'ai vu d'ici te balader un peu partout, c'est incompréhensible. Les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans la cité Gerudo. Tout le monde sait que les Gerudo sont intransigeantes en ce qui concerne le fait que la cité est interdite aux hommes. Alors pourquoi tu aurais le droit de déambuler un peu partout sans que personne s'en soucie? J'ai à peine passé un orteil à l'intérieur de l'enceinte de la cité que je me suis retrouvée ici à compter les dalles, sans procès-verbal, sans sommation en plus, direct en cellule. Tout ce que je voulais, c'était revoir ma femme, Radima, et ma fille, Elarka. Mais tu m'as l'air d'être quelqu'un de confiance, alors je peux te le dire. J'ai pu apercevoir ma fille plusieurs fois déjà depuis ma cellule. Alors, l'un dans l'autre, je suis plutôt heureux ici. Je n'ai toujours pas. Ah ouais, donc il est là pour voir sa femme et sa fille. C'est un peu triste. Ma fille pourrait sûrement m'en dire plus, mais j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Ah ouais. C'est une quête ou quelque chose à faire? Ils nous mettent pas en prison pour rien. Enfin bref. Je pourrais encore aller faire chez les Piaf, etc. Mais je trouve que là, c'était quand même déjà pas mal, les réactions. Malheureusement, il n'y a pas celle de Noya qui, moi, me tordait. Hein. J'adorais vraiment aller dans la forêt Korogu pour le faire réagir. Mais en tout cas, les Gerudo sont vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. En tout cas, je vais continuer mes petites recherches et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle petite surprise. Allez, bye bye, les amis.